Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame la Présidente et les membres du Conseil électoral provisoire, Madame, Messieurs les membres du Comité consultatif indépendant pour la rédaction d'une nouvelle constitution, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres des organisations internationales, Madame la représentante de Madame Hélène Lalleux, Mesdames les anciennes ministres à la Condition féminine et aux droits des femmes, Madame la représentante de ONU Femmes, Mesdames les représentantes des associations et regroupements des femmes haïtiennes, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée et écrite et télévisée, Femmes et Femmes d'Haïti, nous nous retrouvons devant cette auguste assemblée composée en grande partie de femmes de notre République pour commémorer dans un esprit de solidarité la Journée internationale des droits des femmes. Tout d'abord, il est extrêmement important de souligner que la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédié à la lutte pour les droits des femmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, de la politique, etc. Donc, le 8 mars est une occasion de faire le bilan sur la condition et les droits des femmes et des filles. Lors de la 4e conférence sur les femmes en 1995, la déclaration et le programme d'action de Béthune qui constitue une feuille de route de portée historique et était adoptée par 189 gouvernements. Il représente un référentiel incontournable en vue de mesurer les avancées de chaque État en matière des droits des femmes. Ce document contient des engagements complets en réponse aux 12 domaines critiques et constitue encore une puissante source d'orientation et d'inspiration. En 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant tous les pays de la planète à célébrer la Journée des droits des femmes. Ainsi, cette journée est aujourd'hui d'une brûlante actualité. Être réalisé, il faut se ranger aux côtés des femmes dans le sens de l'humain justice et de dire aux hommes tout leur droit et rien de plus, aux femmes tout leur droit et rien de moins. Depuis la conception de notre pays, la contribution des femmes dans les luttes contre nos ancêtres, contre le système esclavagiste, a été très soutenue. Et l'on se dit vers
au service de Fanny Miller, Henriette Sema, Catherine Flon et j'en passe. Il est indéniable que les femmes ont été toujours présentes dès le début de la conception de la République d'Haïti. Cependant, elles sont occultées par l'histoire. En dépit des progrès qui ont été réalisés du point de vue juridique, politique, social et culturel, les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent bien réelles dans notre société de peuple. Et ces inégalités ont de graves répercussions sur le bien-être des femmes. Partant de ces constats, l'État doit prendre toutes les mesures en vue de combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre. Pour ce faire, il faut tenir le taureau par les cornes. C'est en ce sens qu'en ma qualité de président de la République, chef de l'État, j'adhère déjà à l'idée que la parité soit reconnue à tous les niveaux de la vie nationale. Et devant vous, mesdames, et devant la nation tout entière, je salue l'initiative du comité consultatif indépendant qui a introduit cette noble idée dans l'avant-projet de la nouvelle constitution pour une république rénovée. Ainsi, à l'adoption de cette constitution, par voie référendaire, j'ose espérer que des dispositions en ce sens soient prévues dans le prochain décret électoral dans l'objectif de répondre aux désidérata de nos vaillantes femmes haïtiennes et de la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, la femme doit être le principal acteur avec l'homme dans le processus de paix. Avec ces avancées annoncées tantôt, les femmes vont pouvoir jouer leur rôle effectif dans les affaires publiques. Parce que je ne vois pas comment une nation peut aller de l'avant si la moitié de sa population est écartée lors des prises de décision. J'ai monté un gouvernement paritaire. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, ce gouvernement n'a pas été ratifié par le Parlement. Nous devons aujourd'hui cesser l'hypocrisie. Nous devons regarder les yeux dans les yeux pour dire la vérité, rien que la vérité. Ce 8 mars 2021, nous célébrons un double événement. Comme à l'accoutumée, nous y sommes pour faire le bilan de ce qui a été déjà réalisé et surtout pour dégager des perspectives pour l'avancement de cette cause. Nous sommes présents aussi pour réaliser des discussions entre les femmes sur une période de 2 jours avec des thématiques précises telles que femmes, paix et sécurité, femmes et participation politique, COVID-19 et les violences faites aux femmes. Je félicite la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes d'avoir organisé ce double événement. J'ose espérer que ce forum de 2 jours soit une réussite qu'il servira de leitmotiv pour faire avancer la cause des femmes haïtiennes de toute son intégralité. En ma qualité de président de la République, je voudrais encourager la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes qu'à l'issue de ces assises, de me transmettre aussi bien au Premier ministre les résultats de ces échanges en vue de prendre des décisions irrelatives. Je salue aussi le déplacement des représentants des organisations de femmes venues des 10 départements géographiques du pays.
pour prendre part à ce forum. Parce que le pays profond, le pays en dehors, oublié, ignoré depuis des décennies, ce pays profond, ce pays en dehors, aujourd'hui, demande sa part du gâteau. Que ce forum offre donc l'opportunité de produire des orientations pour l'élaboration d'une stratégie nationale de participation politique des femmes haïtiennes à d'autres sujets connexes. Ainsi, cela permettra d'appuyer les changements de comportement qui sont nécessaires si l'on veut enfin donner à la femme sa juste place. Je souhaite plein succès dans ces réflexions stratégiques pour un positionnement politique fort des femmes. Je salue donc le thème national de la célébration de cette journée, le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Haïti dans un monde de la COVID-19. Dérivé du thème international, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Ni dans l'école, ni dans le travail, ni dans les affaires politiques pays. C'est vrai, Haïti a ratifié plusieurs instruments légaux internationaux en faveur de l'égalité sexe. Mais nous étions en pire effort encore. En pire effort pour nous faire dans appliquer une série de dispositions qui étaient pour nous. Tant que loi sous paternité responsable, loi sous maternité, loi sous conditions de travail domestique. Derrière tout, projet loi 4 sous prévention, sanction et élimination de violence qu'a fait sous femme actifie. Et qu'on y a, on voit qu'il n'y a pas même besoin de parler des affaires contre 30% parce que la nouvelle constitution, c'est plus utile que la constitution. Toujours dit, mon président, qu'on zone dangereuse. Depuis le 8 mars, dès que j'ai fait déclaration dans la valeur, je dis, mes amis, ça y est, et dit, mon président, pour entrer dans une zone rouge, pour venir, pour venir, pour venir. Parce que j'ai déclaration, pour venir dans la valeur, pour venir, pour venir. C'est pas seulement que ça, mais pas
pour nous gommer pour intérêt collectif, le primer sur intérêt individuel. Si nous avons parlé de chiffres, dans l'université, c'est seulement 6,1% de femmes qui ont 35 à 39 années qui font études universitaires. Alors ce qui est pour garçons, c'est 11,8% qui font études universitaires. Ça veut dire que les garçons ont doublé, mesdames. Je prends les statistiques ça seulement. Mais je vais apprendre plus toujours pour m'expliquer nous force côté société. Nous n'avons rien sous question, j'en nous traiter femmes et garçons dans le pays. Et pourtant, 52% de la population du pays a ces femmes. Nous ne pouvons pas permettre de nous continuer à traiter les gens à traiter les gens. Pas de aucune chance. Moi, je dis pas de aucune chance pour le pays à développer socialement, économiquement et politiquement si nous ne pouvons pas faire une place qu'ils méritent dans la société. L'État doit faire ça le capable pour mettre les femmes en condition pour développer capacité ou rien. Pour mettre le pays à sous rail et développement économique, tout bon vrai. Mesdames, vous devez avoir accès à un bon système d'éducation, un bon système de santé qui permet de contrôler. Vous êtes supposé maîtriser la santé sexuelle pour connaître qui j'en. Et qui l'est pour choisir faire petite? Parce qu'il n'est pas possible pour 11% de jeunes filles adolescentes qui ont moins que 19 l'année, qui ont fait petite dans le pays. Non, là, il n'est pas possible. Je t'ai posé tout problème ça déjà. Je t'ai posé depuis la campagne. Moi, je fais un pile d'efforts pour me porter solution pour eux. Mais pas oublier. Bagayou difficile en pile dans la société côté. Parfois, ça que l'on bras joue quoi gourmet. Tellement bataille raide. Parce que en pile moun chita sous gros hypocrisie, des bagayou dit dans le salon, tout bas, yo refuse de dire tout haut. Et c'est pour ça, moi font pile j'effort. Par exemple, je ne pas comprendre ça, ça veut dire 25 000 gouttes de l'enfant mis en amène. Moi, songe, moi, en 2017, il a vache, je passais, je jouais une dame, qui chita. Mais où est son monde qui est en misère? Qui t'a vendu un fritage, mais seul ça que tu as dans le bac là, c'est des lames véritables fruits. Et je suis campé machine, je suis dit l'île. Et puis je me fais le cadeau de 25 000 gouttes. Deux semaines, je tourne parce que nous avons travaillé dans le caravane de changement en route. Nous avons fait route dans Zilea. Moi, je vois une dame qui chita avec une belle robe carabella sur lui. Cheveux bien faits. Il y a une belle bague devant, il y a un carré dans la main, il a écrit. Je me dis, monsieur, mais c'est fils ça. Ça vient 15 jours. Qui te chita là? Je me dis, non, ce n'est pas même mon nom du tout. Et c'est là que ça me devine comprendre que femme c'est cajou. Moi, campé, pas chine-moi encore. Moi, descend, moi, manger deux bagages dans le bac. Là, parce que quand il y a, c'est pas l'âme seulement, il y a tout bagage là-dedans. Et puis, il dit, c'est pas président. Il dit, c'est moi. Il dit, ouais, bah, où t'es pas moi? Il dit, qui ça le dit? Il dit, 25 000 gouttes là. Moi, je mettais 10 000 gouttes dans le bac là. Moi, je mettais 5 000 gouttes sur l'université petite, moi, Port-au-Prince, moi, je vais payer. Moi, je mettais 5 000 gouttes dans une construction que je m'ai fait depuis presque 10 ans. Je ne vais pas continuer. L'autre 5 000 gouttes là, il est dans une caisse populaire, M. Cyril. Ces dames, ça fait me comprendre, ça 25 000 gouttes, je l'ai dit. Et c'est là que ça nous prend une décision. En 2017, nous venons avec le programme de la femme. Et je vous dis, moi, quand je dis nous, l'inspiration, ça a été fait, ça a été bon, moi, peut-être, nous avons gardé ou bien attendu là.
C'est lui qui permet que nous finançons déjà 14 326 femmes dans le pays, dans le programme 25 000 gouttes, pour un total de 358 150 000 gouttes déjà. Et le rapport qui sortit dans la direction générale ONA, qui vient de joindre moi, dit taux remboursement comme ça, il est égal à 38%, malgré la turbulence politique, crasé, brisé, diffé, cap, mette, et puis la pandémie coronavirus. Ça veut dire, mesdames, vous payez la dette, vous respectez la dette. La femme dit, sous le programme, ça, nous ne pouvons pas camper, nous pouvons continuer. Moi, je connais un peu de monde qui critique, qui dit que Timon est ça. Ça ne veut pas dire rien. Mais moi-même, moi, vivre avec dame, ça m'a rencontré. Moi, dit, non, il a vache là, moi, ouais, comment 25 000 gouttes te changer la vie au monde. Dans le jour où j'ai fini, nous parlons d'un gros courant capable de jouer un crédit, ça veut dire qu'on continue avec le programme ça. D'ailleurs, il y a des dames qui payent tellement bien, ils ont tant de double crédit. Ya. Ça veut dire qu'ils ont 50 000 gouttes. Il y a même qui arrivent à atteindre 100 000 gouttes qu'on y a. Bravo pour nous, mesdames. Dans le programme Papège là, nous songeons, le programme ça, à côté nous fait 150 entreprises et nous te financé environ 150 millions de gouttes. Il y a une pile d'entreprises femmes qui te bénéficient de gros crédit. C'est l'occasion pour me rappeler toute femme qui te joint crédit dans le programme ça, pour yo songer tout, pour yo retourner, pour yo capable de continuer dans le paiement, yo, dans le remboursement, yo, pour l'autre monde qui a facilité, l'autre femme qui a joint bon gens crédit, parce que quelqu'un qui peut qu'on joigne, parce que bon règlement, pas gâter les amis. Sous plan politique, moi crois que projet de nouvelle constitution, j'aime tant dans pile monde. C'est normal. Jésus est arrivé sur la terre, il est tout il. C'est pas moi pour me dire tout le monde qui est même. Ça veut dire, moi crois que programme nouvelle constitution, ça, projet nouvelle constitution, ça, il reconnaît le principe parité dans tout niveau service l'État. Ça veut dire, l'immandé pour loi électorale, là, j'aime dire là, il y a quelques dispositions qui encouragent les partis politiques et tout. Parce que ce n'est pas question des partis politiques, loi pour une réunion politique. Il y a 50 personnes là-dedans et 50 garçons. Ouais. Ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, ministre qui est responsable des affaires, élection, avec relation à parti politique. Combien de chefs de parti dans le pays qui femme. Je crois qu'il y a plus de 246 partis. Je ne crois pas qu'il y a 10% de femmes qui sont chefs de parti politique. C'est pour me dire que là tout, il faut nous prendre une grosse décision pour que nous encourageons les partis politiques à présenter même quantité de candidats femmes et quantité de candidats garçons dans l'élection. Je connais la bataille pour l'égalité femmes et garçons difficile. Elle est difficile en pile. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, chef de l'État, à toute notre autorité dans l'État, pour nous finir à toutes sortes de préjugés, à exclusion femmes, à victimes dans la société. Moi-même, sous mon pâme, je nous comprendre. Nous sommes un gouvernement paritaire. Et dans le conseil électoral là, moi songe, équipe moun qui était responsable pour te faire contact avec le secteur, moi demande, tant pis, encouragez le secteur. Si je déclare le conseil là, il y a 70% de femmes là dans les électeurs, très bien. Mais moi te joigne 5 femmes et 4 garçons. C'est pour me dire, conseil électoral ça. Ce n'est pas parité seulement, mesdames, nous devons. Ça veut dire, il y a plus de femmes passées garçons. Ça montre tout. Il y a pile volonté qui commence à gagner dans pile secteur dans le pays.
Et nous voulons un gros coup de chapeau par tout secteur ça dans la société. Moi, nous nous battons un gros bravo pour vous. Qui a accepté pour te voir femme représenter vous dans le conseil électoral là. Et nous gardons nous, jusqu'au moment où on parle avec nous, moi fier de Jean mesdames qui travaillent dans le conseil là. Je ne peux pas jouer aucun rapport négatif sur la qualité de travail que vous avez produit avec la capacité que vous avez. Ça veut dire, mesdames, vous êtes capables. C'est à l'épreuve pour nous mettre. C'est pour nous mettre en condition pour nous voir qui ça vous a bâillé, qui ça vous a offert. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion matin, avant de finir. Pour me dire, mesdames, yo, depuis 35 ans, le pays a connu un cycle infernal de turbulence politique. 35 ans, moi-même qui parle avec nous là, je suis un enfant de la crise. Parce que la crise, ça me vit dans le chemin. Moi, songe, le 7 février 1986, mon la quand même couru, mettre dans la machine, voyez ma l'époque du peuple, j'aime de l'école pour le prince. Parce que moun a boule moun Port-au-Prince, y a tué moun nan Port-au-Prince, y a boule kay Port-au-Prince. Et pourtant 35 ans après, je dis à ce moins président, moi ouais c'est même bagaille là, nous sortis pour nous vivre après 35 ans. Ça veut dire nous pas grandi sur le plan politique, bon maturité politique que nous supposons atteindre, la pédagogie de l'alternance démocratique. Côté hier là, m'bralé, moi pas nan à faire été sous pouvoir encore, les mandats finis m'bral faire route. Moi, mais pour m'aller, il faut que cette pédagogie politicienne commence à comprendre. La pédagogie de l'alternance démocratique, faut bien élection qui fait, c'est un coup l'on lever matin, faut manger, l'on va se faire dormir. Dès pour arriver dans faire mandat, faut faire élection. Ça veut dire. C'est le seul moyen qui gagne pour le monde diriger un peuple. C'est là, c'est lui-même qui va pouvoir. Mais cette histoire, un groupe de monde, Chita n'importe où, c'est eux qui ont une grosse connexion, un gros contact. Et puis, ils comprennent, c'est le pays. Moi-même, pendant que je suis comme président, j'ai changé de métier, Le pouvoir appartient au peuple haïtien. Et je veux le dire clairement à la communauté internationale, c'est le peuple qui doit décider quel président qu'il veut pour le diriger, quel sénateur, quel député, quel magistrat et quel gazette. Ce n'est pas un petit groupe qui habite à Port-au-Prince qui pense qu'il peut prendre le destin de ce peuple en main. Le destin du peuple appartient au peuple. Et c'est à travers les unes que le peuple va dire au monde entier, voilà qui je veux pour me diriger. Élections sont obligations. Pas de gens au monde qui n'ont pas écouté encore. Nous sommes dans le 21e siècle. Après, il passe écouté, fini. Il est fini net. Ça veut dire tout le monde qui voulait venir diriger le pays, qui voulait camper côté me camper la matin pour me faire discours comme président, là c'est bon tout. Pas de chemin crochu. C'est un coup, je me dis ça. Je ne vais même comprendre l'autre route. Je ne vais même comprendre ça, l'autre monde a dit. Parce que moi-même, je connais que je vais aller. Je dis à 4 ans, 1 mois et 11 jours président. Manquez 10 mois, 29 jours, président Malfeu. Pour me bailler pouvoir, bailler l'autre monde qui peut venir diriger. Non, c'est ça, nous parler de pédagogie de l'alternance démocratique. Je voulais qu'on parle avec Frère Maxime qui est en opposition pour comprendre bien, je dis, le moment orgueil a fini. On nous chita parler ensemble. Pour la paix tourner dans le pays.
pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour que l'élection soit faite et les gens qui étaient dans le grand gosier, les gens qui étaient dans le capotis, les gens qui étaient mont organisés, les gens qui étaient les Iwatibi, les Corail, les gens qui pour qu'il y ait le droit de venir voter les gens qui voulaient pour diriger. 35 ans de turbulence, 19 présidents, et pendant 35 ans, tu es supposé 7e président pays. Bon problème. Il y a un problème qui est identifié. Un problème identifié est à moitié résolu. Le problème de l'instabilité politique en Haïti n'est pas un problème chronique. C'est un problème qui a des hommes et des femmes aujourd'hui qui pensent que nous devons nous mettre ensemble pour résoudre ce problème. Parce que le pays a besoin de la stabilité politique pour que le progrès, les progrès sociaux et économiques puissent connaître le jour. Haïti a besoin des élections aujourd'hui. Et la population haïtienne, dans des sondages réalisés entre décembre et aujourd'hui, les sondages sont clairs. Le peuple demande une nouvelle constitution à 86%. Cela veut dire, ce n'est pas l'affaire d'un président. Moi-même, je l'ai dit, je ne suis pas candidat à ma réélection. Je ne serai pas candidat. Les élections qui vont avoir lieu le 19 septembre de cette année, Jovenel Moïse ne participera pas dans ces joutes électorales. C'est pour ça que je suis clair pour me dire tout le monde que je dis à affaires constitution, pas affaires PAM. Moi-même seul, ça me l'a pour me faire, c'est créer conditions pour que le conseil électoral là joue un bon genre moyen pour lui mettre toute bagarre en place pour un bon genre référendum qui fait dans le pays. Quoi, mesdames, nous sommes des ministres conditions féminines. Les gens qui sont dans la diaspora, deux plus gros bénéficiaires de la nouvelle constitution, ça, c'est femmes à la diaspora. Ça veut dire. Troisième plus gros bénéficiaire, c'est jeunesse là. Parce que moi, dans le texte, moi, il y a un monde à partir de 25 ans qui a une bonne grosse fonction pour être capable d'occuper dans le pays. Ça veut dire, femme, diaspora, jeunesse là, réveillez-nous. Prenez destin nous en main pour nous capables de mettre le pays sur route de changement, nous réveiller. Personne ne va faire pour nous. Moi, je dis encore. Même moi-même qui parle là, je ne peux pas faire pour nous. Ça pour me faire, moi fini. Je fais déjà. Je prends courage, moi. Je mets le comité à sous pied. Moi profiter, remercier, féliciter. Courage, mon comité consultatif indépendant. Et, mesdames, messieurs, Mabdinou, pays a reconnaissance envers nous. Le fait que nous t'acceptons de faire bénévolat ça. Parce que nous connaissons pile dans nous qui te une menace de mort sur nous. Nous pas de peur, même là, moi. Ça veut dire aujourd'hui, comité consultatif indépendant, nous vivons dans le carrefour, côté texte là. Jean, moi te dis que constitution en fait texte en créole volé en français, moi félicite nous et complimente nous, moi ouais que texte là, il n'est pas sorti ni en créole ni en français. Ça veut dire, nous, dans le pays qui ne peut pas parler français, yo. Moun kap viv loin, 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 loin yo. Moun sa yo jodi a. Ap ka li et comprendre avant projet constitution ça, même j'ai avec tout gros savé dans le pays. Chapeau pour nous, parce que tout le monde t'a dit pays a pas de monde. Même nous prouver que pays a de monde. Nous prouver que deux gros thèmes que monsieur dame dans le pays a yo mette, yon qui est la peur, l'autre la relé. Le désespoir, nous-mêmes, nous affrontons, même j'ai avec moi, nous affrontons la peur et le désespoir qui fait que aujourd'hui, il y a un avant-projet constitution qui est dans le pays. Et demander chaque haïtien qui est là, il ne faut pas peur, il ne faut pas désespérer. Jeunesse là, il ne faut pas désespérer parce que moi, je ne connais personne. Dis-moi qui paye sur la terre, c'est le pays qui a construit le monde. Bon, on paye pour moi l'exception. Tout pays, c'est le monde qui construit le pays. Pas qu'il y a un pays sur la terre. Ça veut dire aujourd'hui à mesdames, c'est pour nous, Marie Saint-Unou, même Madame Sarayou,
Parfois, machine charbure avec un songe belle-même. De regretter mes mois que crise politique, ils font crise tension par là, je vous dis. Ils font crise avisée. Non, nouvelle, ils prennent, je vous dis, les gars. Ils ont venu chercher la carrière pour tuer. Ils font crise, je vous dis, pas là. Même songe, les bons, ils te disent, Nel. Nous avons 8 accidents déjà, machine charbure avec 8 fois. Pour me prendre soin de mon yo. Mesdames, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chapeau pour nous et côté le coucher. Dans le tombillon, les poussons premières dames dans le pays. Avec deux camions. C'est pour nous dire que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas perdre espoir. Pas quitter le monde, faire nous comprendre, j'en entendais ça, que le pays va le craser, tout le bagage va le bouler. Non. C'est toujours comme ça qu'on fait. Depuis 35 ans. À chaque moment, le système est arrivé. Pour le craser, pour le régénérer tête, les doux que le pays a pour le craser. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de pays pour le craser. Nous avons mis la tête ensemble pour nous croire kidnapping. Même dans la police, premier ministre, chapeau bon, qui est de la guerre, pour nous mettre kidnapper hors d'état de nuire. J'aime de dire le bandit par là pour durer longtemps. Bon, mon bandit. Bon, mon bandit, qui est cheveux blanches. Pour moi, il est l'exception. Bandit toujours mourir, jeune femme, jeune garçon. Ça veut dire aujourd'hui, il y a des bons noms et métiers sont choisis pour faire. Son seul route où choisit tout, c'est route cimetière. C'est pour ça, CSPN, non, la police, la justice, sécurité publique, tout le monde mettez au travail, peuple a demandé la paix. C'est ça le mandé, c'est sa population a demandé. Et aujourd'hui, il y a quel que soit sacrifice qu'il y a pour faire, pour la paix, ça, nous tous ensemble. C'est pour nous mettre main, pour nous joindre. Parce que c'est paix ça, c'est lui-même qui permet de nous mettre le pays sur route changement à court développement tout bon voyage. Merci un peu. Est pour nous une nouvelle occasion d'amorcer des réflexions plus matures autour des droits des femmes en Haïti, de formuler des recommandations et d'agir pour un respect effectif de ces droits. Il est urgent de renforcer les mesures temporaires spéciales pour promouvoir la présence des femmes dans tous les domaines de la vie publique en Haïti. Le lien entre le leadership de femmes au niveau politique, économique, administratif et communautaire d'une part, et le développement humain d'autre part, est clairement établi comme un levier d'accélération pour la réalisation des objectifs de développement durable. Car la prise en compte du droit des femmes est intrinsèquement liée au principe du respect et de jouissance des droits de la personne. L'équilibre, une fois rétabli, permettra à la femme de jouir de son plein potentiel conformément aux engagements de l'État à travers la politique d'égalité femmes-hommes qui prône un monde plus juste et plus égalitaire et porteur d'opportunités pour les composantes des deux sexes. C'est dans un contexte de crise sociopolitique et sanitaire emportée par la COVID-19 et l'augmentation de la violence faite aux femmes et aux filles que le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes commémore cette année la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2021 autour du thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire et visible en Haïti dans un monde de la COVID-19 ». Conscient de cette situation, les organisations de femmes, l'État haïtien et les partenaires de développement conduisent des actions diverses visant à lutter contre toute forme de violence en vue de promouvoir une meilleure compréhension de l'importance du leadership féminin et à développer leurs capacités. Sur ce, je vous en remercie. Et maintenant, allocution de Madame Dédé Ekwe, représentante de l'ONU Femmes en Haïti.
Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Excellence, Madame la Première Dame de la République d'Haïti, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine aux droits des femmes et ministre des Affaires sociales et du travail, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs, pour sa participation à cet événement phare et avec votre permission, je tiens à dire un grand merci à Madame la Ministre, à la condition féminine et aux droits des femmes pour avoir associé ONU Femmes à l'organisation de cette cérémonie et de cette activité destinée à renforcer la représentation des femmes au poste de décision en Haïti et à la construction d'une paix durable. Mesdames, Messieurs les distingués invités, cette année, le thème mondial de la Journée internationale des droits des femmes est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Ce thème appelle à des mesures décisives, audacieuses et courageuses pour accélérer la marche vers un leadership paritaire dans tous les secteurs et ceci à travers le monde entier. À l'occasion de cette journée spéciale, ONU Femmes salue vivement le leadership de toutes les femmes haïtiennes dans tous les secteurs, société civile, secteur privé, secteur public, secteur politique, secteur académique, sport et arts et médias, pour ne citer que cela. Nous avons une pensée particulière pour les femmes du secteur de la santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Nos encouragements vont également aux femmes policières pour leur contribution et sacrifice dans la lutte contre l'insécurité, insécurité qui affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles haïtiennes. Nous tenons à saluer également les autorités étatiques haïtiennes pour les mesures prises pour renforcer la nomination des femmes à plusieurs postes stratégiques, ainsi que pour leur plaidoyer croissant pour un cadre légal propice à l'avancée du leadership politique des femmes. À ce propos, nous appelons à un renforcement de la volonté politique de tous les leaders en soutien à la représentation effective des femmes haïtiennes dans les sphères publiques de pouvoir et à une intensification de la lutte contre les violences faites aux femmes, y compris les violences politiques et électorales. Pour ce qui est de ces violences faites aux femmes, permettez-moi de remercier le gouvernement haïtien, l'Union européenne et toutes les organisations de la société civile partenaires pour la coopération dans la mise en œuvre du programme Spotlight, un partenariat avec les Nations Unies pour faire reculer la violence familiale à l'endroit des femmes, un partenariat mis en œuvre par 4 agences des Nations Unies, l'UNFPA, l'UNICEF, le PNUD et ONU Femmes. Mesdames, Messieurs et distingués invités, les Nations Unies sont fortement engagées pour le leadership des femmes à tous les niveaux et ma collègue qui représente Madame Hélène Lalime vous en dira plus bientôt. En attendant, permettez-moi de saluer l'excellent partenariat entre l'ONU Femmes, l'État haïtien, les organisations féminines et féministes, les organisations de jeunes filles et de jeunes hommes, les partenaires techniques et financiers internationaux pour l'avancée du leadership des femmes haïtiennes. Nous travaillons avec le MCRDF, le CEP, en partenariat avec d'autres acteurs tels que le PNUD, la BINU, le Canada, les États-Unis, l'OIF et l'Union européenne pour renforcer la visibilité des femmes leaders et renforcer les capacités en matière de leadership politique.
L'année passée, 200 femmes ont été formées en leadership politique, dont près de 80 candidates aspirantes à travers l'Académie de leadership politique féminin réalisée avec l'appui technique de Politicotech et le soutien actif du PNUD. Permettez-moi, distingués invités, de saluer également le plaidoyer pour le leadership des femmes et la promotion du quota réalisé à travers le groupe de partenaires techniques et financiers pour l'égalité de genre, un groupe présidé par le Canada et co-présidé par la France. Nous félicitons vivement le Canada pour son leadership dynamique de ce groupe au cours des deux dernières années et le remercions d'avoir accepté d'assumer la vice-présidence à partir de ce mois. Avec un transfert effectif de la présidence de ce groupe à la France, que nous remercions vivement. Mesdames, Messieurs et distingués invités, le thème de cette journée est basé sur le triste constat qu'en 2020, à l'échelle mondiale, seuls 25% des parlementaires étaient des femmes. Et seuls 22 pays avaient un chef d'État ou un chef de gouvernement femme. Ce constat est également fait en matière de nécessité d'instaurer la parité dans les constitutions et les cadres légaux des pays pour remédier à cette situation inacceptable plus de 25 ans après l'adoption du plan d'action de Médine. Les analyses, fort heureusement, démontrent l'impact positif des quotas sur l'augmentation de la représentation politique des femmes. La moyenne de la participation des femmes au Parlement est de 26,1% dans les pays qui ont une loi qui renforce les quotas et de 16% dans les pays sans quotas. En Haïti, au cours de la dernière législature, moins de 3% de parlementaires étaient des femmes. En 2020, Haïti se classait au 186e rang sur 191 pays sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes au Parlement, selon un classement fait et publié par l'Union internationale des parlementaires en coopération avec l'ONU Femmes. Dans ce tournant décisif pour la nation, le moment est venu pour que Haïti lève définitivement les obstacles qui bloquent l'entrée et la promotion des femmes et des jeunes femmes dans les sphères de pouvoir. Ce moment est venu pour que les femmes puissent apporter pleinement dans les sphères de pouvoir et de décision et sans crainte de violence leurs nombreux atouts. Les faits l'indiquent bien. Ces faits indiquent Haïti a besoin de ses femmes et de ses filles aux commandes de la nation, aux côtés des hommes, ceci évidemment dans les sphères de décision. Puisse ce forum aider le pays à tirer le meilleur profit du pouvoir d'influence, de transformation, de changement, d'innovation, de résilience qui caractérise les femmes haïtiennes, afin de bâtir une nation plus forte, paisible et en ligne avec la résolution 1325 des Nations Unies. Nous profitons de cette auguste tribune pour lancer un vibrant appel pour un soutien national et international sans précédent à la représentation politique des femmes en cette période charnière pour Haïti. Toutes nos félicitations encore à Madame la Ministre, à la Condition Féminine et à son équipe pour l'organisation réussie de cette cérémonie et de ce forum. Nous remercions tous les acteurs impliqués dans la préparation de cet événement. Merci à tous les partenaires techniques et financiers qui se sont joints aux efforts d'organisation, notamment le Canada, le PNUD et l'Organisation internationale de la migration. Notre gratitude va également à la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne,
pour les efforts de mobilisation de la population en soutien au leadership des femmes. Plein succès aux travaux de ce forum qui traceront une nouvelle trajectoire d'espoir pour l'avenir d'Haïti, fructueuse commémoration de la Journée internationale des femmes à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Allocution de circonstance, tendre côté, qui représente, qui est donc chef de coopération de l'ambassade du Canada. Il représente l'ambassadeur du Canada, M. Stuart Farage. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Madame la Ministre de la Condition Féminine, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour tout le monde. Merci Madame. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes et participer à l'ouverture de ce forum sur les femmes, la paix et la sécurité. Le Canada s'est positionné depuis de nombreuses années comme un leader mondial dans la promotion de l'égalité des genres. Cet enjeu est enfin au cœur de la politique étrangère et de l'assistance internationale féministe du Canada. La participation pleine et égale des femmes renforce la démocratie, la paix et le développement durable. Le Canada s'investit et continuera de le faire pour améliorer la vie des femmes et des filles haïtiennes, que ce soit via notre projet avec ONU Femmes pour la réduction de la violence et la participation politique des femmes, ou notre appui aux organisations féminines et féministes via le projet Voix et Leadership des femmes. Le Canada fait de l'égalité des genres une priorité en Haïti. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'ambassade du Canada a soutenu plusieurs activités diversifiées, mais avec un but commun. Montrer la contribution positive et le leadership des femmes dans tous les domaines, que ce soit en politique, en sécurité publique, en affaires ou dans le milieu artistique, les femmes ont une place de premier plan et une voix très forte. En 2019, le Canada était aux côtés du ministère de la Condition féminine. Et de plusieurs partenaires pour la réalisation du Forum national Femmes, Paix et Participation politique. Et d'importantes réflexions et recommandations avaient émané de cette conférence et continuent de guider notre travail aujourd'hui et pour demain également. Donc le Canada est évidemment ravi d'appuyer et de participer à l'édition de cette année du même forum, une initiative du ministère de la Condition féminine, qui offrira un espace de discussion et de réflexion sur la participation des femmes haïtiennes en politique pour la consolidation de la paix. Ces enjeux sont à la base d'une société plus équitable, juste et participative. La résolution 1325, adoptée il y a plus de 20 ans par le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous enjoint tous à reconnaître que les femmes sont de puissants vecteurs de changement. Les femmes qui œuvrent à la consolidation de la paix sont des médiatrices, des négociatrices, des militantes de la paix dans la société civile, des défenseurs des droits de la personne et des leaders communautaires et de la jeunesse. Kounia, c'est pour nous bâle femmes et on chance, puis on prend décision qui concerne les yo, ses droits à yo. Ben, pas continuer parce que je n'ai pas parlé toute journée. Nous avons également besoin de leur participation, toute la société est gagnante lorsque les voix et les expériences des femmes sont prises au sérieux et lorsque leurs droits sont respectés. En Haïti, nous savons que cette année,
sera charnière. Elle peut aussi être un point tournant pour la participation et l'inclusion véritable des femmes. La démocratie doit être le reflet de la société. C'est pourquoi nous espérons que le processus de renouvellement démocratique à venir en Haïti sera plus sécuritaire pour permettre aux femmes d'aller voter et le plus inclusif pour leur permettre d'être représentées. Il y a un pile leader haïtien, Famio, qui déjà a participé à force dans la construction société haïtienne là, qui ont joué un pile de difficultés parce que c'est Famio. Le Canada les féliciter sans qu'ils prennent l'initiative pour lever des défis Sahara, qui profitaient au riche chemin pour l'autre mesdames Yo. Encore bravo pour toutes mesdames Sayo, pour tout courage Payo. Afin de promouvoir l'inclusion des femmes dans le processus décisionnel comme les processus de paix et de stabilisation, le Canada lance cette année la campagne mondiale de sensibilisation qui s'intitule « Paix au féminin qui vise à reconnaître, soutenir et protéger et inclure les femmes qui œuvrent dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Cette année, le Canada prendra des engagements afin de soutenir ces femmes qui bâtissent des sociétés inclusives et justes. Et afin de donner une impulsion et un soutien à cet élément essentiel et souligner la contribution du Canada, je voudrais saisir l'occasion du Forum des femmes pour la paix et la sécurité afin de m'engager au nom du Canada et en mon nom personnel à trois niveaux. Excusez. Voilà. Donc, je m'engage à inclure les femmes consolidatrices de paix en encourageant leur inclusion dans les recommandations et ateliers de ce Forum. Je m'engage à reconnaître les femmes consolidatrices de la paix, excusez, en amplifiant leur voix, pas privé pour vous, monsieur. Je m'engage à soutenir les femmes consolidatrices de la paix en mettant en contribution des artisans de la paix dans les projets que le Canada finance en Haïti, notamment à travers le Fonds canadien d'initiative locale et notre programme pour la stabilisation des opérations de la paix. Jeudi à 8 mars là, et pour toute année 2021 là, moyen, invitez-nous pour nous faire même genre avec nous, pour nous prendre propre engagement par nous pour la paix aux femmes. Merci en pile. Je descends un petit peu le micro, excusez-moi. Je n'ai pas toute cette hauteur. Ça va. Allocution de Madame Anan Talbi. Elle est la directrice des services des droits de l'homme de la BINU et représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en remplacement à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Hélène Alim Applaudissez, Madame Anan Talbi. Je ne suis pas aussi grande, mais pas aussi petite. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci. Madame la ministre à la condition féminine, collègues, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs. Je suis honorée d'être ici parmi vous pour prendre la parole au nom de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Voilà la représentante de la représentante, nous avons déjà entendu le secrétaire général. Normalement, je devrais juste me taire parce que nous avons déjà entendu le message du secrétaire général, mais permettez-moi, Monsieur le Président, de rajouter quelques mots. Ça a été dit par le secrétaire durant son allocution, durant son message, la pandémie de la COVID-19 a permis une fois de plus de mettre en évidence le leadership éclairé des femmes.
Elle représentait une majorité des travailleurs de première ligne, celles qui se sont battues pendant la pandémie en Haïti, mais aussi partout ailleurs, et représentait près de 70% des professionnels de la santé qui ont contribué non seulement à réduire les impacts de la crise sur les familles haïtiennes, non seulement au travers du rôle qu'elles ont joué dans la réponse, mais aussi en maintenant une résilience économique au sein des familles, ainsi qu'en défendant leurs droits et l'accès à ces services. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Messieurs, Mesdames, les femmes haïtiennes continuent également à être des actrices de changement alors que le pays traverse une crise tant politique que sécuritaire. Et les violences à l'égard des femmes et des filles représentent une des violations les plus graves des droits humains, bien qu'elles fassent partie des moins réprimées, notamment à cause des inégalités sociales et des discriminations fondées sur le genre qui se sont particulièrement aggravées depuis le début de la pandémie de la Covid que subit le monde. Il est donc urgent de bannir les violences à l'égard des femmes et des filles sous toutes ses formes à travers des actions communes visant à lutter contre les inégalités sociales, à lutter contre la disparité entre les sexes, les pratiques discriminatoires et les normes sociales et culturelles favorisant les disparités entre les femmes. Nos actions doivent être amorcées en amont, dans les communautés, dans les écoles, dans les universités et les académies, où les abus liés aux inégalités sociales et aux actes discriminatoires à l'égard des femmes doivent être adressés. C'est ainsi que nous parviendrons à endiguer et à réduire cette problématique de discrimination fondée sur le sexe. 26 ans après l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, et plus de deux décennies après l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, Haïti a réalisé de bons progrès, d'importants progrès dans la promotion du leadership au féminin. Toutefois, de nombreux obstacles qui sont soit systémiques, soit institutionnels, soit culturels, ou encore comportementaux, mais aussi financiers, subsistent. Et c'est pourquoi les résultats reste mitigé quant à l'intégration des femmes dans le circuit politique et administratif. La sous-représentation des femmes dans ces domaines représente une limite à la jouissance de leurs droits, mais aussi constitue et surtout un manque à gagner important pour la nation. De manière plus générale, les femmes souffrent toujours d'énormes inégalités dans le monde professionnel, bien qu'elles inspirent autant confiance dans le travail et font preuve de la même rigueur et du même sens des responsabilités que leurs collègues masculins. Il est donc impératif de renforcer les mesures temporaires et spéciales pour promouvoir la présence des femmes dans tous les domaines de la vie publique en Haïti. Le lien entre le leadership des femmes au niveau politique, économique, administratif et communautaire d'une part et le développement humain d'autre part est clairement établi comme un levier d'accélération pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et une condition pour assurer une relance efficace dans le contexte de la crise liée au Covid-19. C'est une journée de célébration, certes, mais c'est avant tout une journée de revendication, revendication pour le droit des femmes. Ce thème aujourd'hui, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde après Covid, nous amène à construire mieux, et construire mieux, c'est construire de manière plus égalitaire et avec plus d'équité. Je souhaite pour finir vous assurer la détermination des Nations Unies à accompagner le gouvernement haïtien, en particulier le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, pour toutes les initiatives, plans et programmes visant à intégrer la dimension et la promotion du genre. Ainsi, les Nations Unies et le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes continueront à poursuivre leur étroite et fructueuse collaboration pour que chaque femme et chaque fille puisse réaliser son plein potentiel et se libérer de toute forme de discrimination, de violence, notamment celle de la vie sur le genre. Donc, bonne fête du 8 mars à toutes et à tous. Je vous remercie. Prière de vous lever pour saluer
Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Marie-Gisèle Montpellier. Madame la Première Dame de la République, Martine Moïse. Excellence Monsieur le Premier ministre, mon Premier ministre, Joseph Jout. Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, mon collègue Claude Joseph. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le gouverneur de la Banque nationale, la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs, les membres et représentants des entités du système des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants et représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames les membres du Conseil électoral provisoire et sa présidente, Madame, Messieurs les représentants du comité consultatif indépendant pour la rédaction de la nouvelle constitution, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directrices de cabinet, secrétaires généraux du président de la République et du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est un véritable honneur et une immense joie pour moi de prendre la parole à la présente cérémonie commémorative de la Journée internationale des droits des femmes et au lancement officiel du Forum national des femmes haïtiennes pendant 2 jours. Je me sens particulièrement heureuse de remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour avoir accepté activement de donner le ton à ce double
événement. J'exprime ma profonde gratitude à la première dame de la République, Madame Martine Moïse, pour son support sans faille dans la lutte pour le respect et la défense des droits des femmes. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, son excellent Joseph Joute, pour son soutien sans relâche aux côtés du FCFDF. Je vous remercie de tout cœur et grandement. Et je demande à l'Assemblée d'applaudir le président, la première dame, le premier ministre, pour leur soutien. Ces plus hautes autorités, parties prenantes à cette activité, démontrent indiscutablement l'engagement au plus haut niveau de l'État pour accompagner les femmes et les filles dans leur noble combat visant la jouissance sans restriction aucune de leurs droits. Leurs remerciements vont également à mes collègues, membres du gouvernement, les ministres et les secrétaires d'État, à tous les hauts fonctionnaires de l'État, les représentants du système des Nations Unies, nos partenaires techniques et financiers, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations de femmes et de féministes, etc. Votre présence ici, ce matin, en dépit de vos multiples préoccupations, rayonne extraordinairement cette cérémonie, surtout en début d'une semaine de travail. Chapeau. D'où vient cette date du 8 mars? Les Nations Unies ont officiellement donné la journée du 8 mars par la résolution prise en 1977. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, décident d'organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes, National Woman Day, pour célébrer l'égalité des droits civiques. C'est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. Elle est célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. En Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913. Puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917, 23 février 1917, selon le calendrier julien en vigueur dans le pays à ce moment-là, des femmes manifestent dans les rues de Petrograd, Saint-Pétersbourg, pour exiger le pain et la paix. Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale,
Le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. Donc, le 8 mars est une occasion de faire le bilan sur la condition et le droit des femmes et des filles. Lors de la 4e conférence sur les femmes en 1995, la déclaration et le programme d'action de Bétine qui constitue une feuille de route de portée historique sont adoptés par 189 gouvernements, représentant un référentiel incontournable en vue de mesurer les avancées de chaque étape en matière des droits des femmes. Ce document contient des engagements complets en réponse aux 12 domaines critiques et constitue encore une puissante source d'orientation et d'inspiration. Le programme d'action projette un monde où chaque femme et chaque fille peuvent exercer leur liberté et leur choix, connaître et comprendre tous leurs droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation et à la santé, le droit à l'autonomie et l'intégrité physique, le droit civique, le droit de participer à la prise de décision, etc. Mesdames, Messieurs, un avenir meilleur de notre République dans l'inégalité, je reprends, un avenir meilleur de notre République dans l'inégalité de genre ne peut et ne pourra être possible. L'égalité de droit entre les deux sexes constitue un ingrédient incontournable pour le développement de notre pays. C'est la condition sine qua non pour un vrai changement au bénéfice des filles et fils, des femmes et des hommes. Un État qui prend la direction contraire n'arrivera jamais à atteindre les objectifs de croissance durable de son pays. Cette année, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes sous le thème national le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Afrique dans un monde de la COVID-19. Dérivé du thème international, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, faisant le lien avec la crise pandémique que traverse la planète depuis plus d'un an. Ce fléau change radicalement notre mode de vie et abîme l'économie. Mettons-nous au travail pour la relance économique au lieu de nous battre incessamment. Le thème parle de lui-même et c'est l'occasion de saluer l'engagement des femmes en vue de combattre non seulement ce fléau, mais aussi travailler à la poursuite de la paix en s'adonnant à la résolution des conflits, unique voie pour un développement durable. Mesdames, Messieurs, en marge de la célébration officielle de la journée du 8 mars, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, conjointement avec ONU Femmes, on a profité pour organiser un forum national de deux jours sur des thématiques qui sont à la base de la création de la Journée internationale des droits des femmes. Ce forum offre une opportunité aux femmes en tant que partie intégrante de notre société de débattre sur des sujets concernant leur avenir. Ce forum poursuit entre autres,
plusieurs objectifs, dont un majeur, qui consiste à sensibiliser les femmes sur leur engagement et leur leadership pour leur participation politique à un moment où deux événements majeurs se profilent à l'horizon, soit l'adoption d'une nouvelle constitution par un référendum et l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives pour le renouvellement du personnel politique. C'est le moment idéal pour les femmes de se concerter entre elles sur leur implication effective et active dans toutes les phases irrelatives et prendre la décision qui s'impose. Car il est d'une importance capitale d'obtenir une masse critique de femmes élues à tous les niveaux aux prochaines élections qui auront lieu bientôt. Donc, cette activité intervient à point nommé pour que cela soit effectivement possible. Nous avons besoin d'une action forte entre nous. Mesdames, à part la compagnie, sortir d'un droit, les décamper, où nous pouvons destiner nos femmes, parce que nous, plus que moitié de la population, on a fait une opportunité ça. Et toujours dit ça. Nous gagnons deux féministes convaincus qui n'ont pas de pays. Le président pays, c'est le Jovenel Moïse et mon premier ministre, Joseph Chute. Nous savons, c'est nous-mêmes qui avons des médailles sur le dos. À l'époque, nos célébrations du mars. Dans le palais national, le président de son déclaration claire, on dit que faut que nous allons rentrer dans tout siège qu'a gagné en tant que pays. Que dans le niveau élection, que dans le niveau nomination. Et le seul gouvernement dans toute l'histoire de ce pays qui a tenté de monter un gouvernement paritaire 50-50 femmes et nous qui font là ce président Jovenel. Pour cela, la Constitution, nous saluons le travail, comité consultatif qui travaille sous Constitution. Nous faisons le travail avec nous-mêmes en tant que ministre Constitution femme pour nous insérer dans la Constitution ça et non le quota que nous avions. Mais maintenant, la parité est au sein de cette Constitution. Pendant ce temps, on en a gouvernement pour nous mettre pas réservés en la Constitution. Il a été dit à l'épargne. Moi, je m'a témoigné. Bien sûr, nous sommes dans le pays. Chaque fois, il empêche nous de travailler, mais quand même, notre travail. Président Jovenel, respectez la parole. Et qu'on y a fait à nous-mêmes, la consultation qu'on a fait pour nous plus. Si nous ne pouvons pas faire du changement, c'est que nous ne pouvons pas nous parler. C'est l'unique occasion qui vient pour que nous prenions en main de signer nous une fois pour tout. Pour si nous n'avons pas fini d'être une femme de garçon. D'ailleurs, une femme n'a pas lutte. Femme contre garçon, et nous devons garder ce soulage pour les garder. Et nous devons garder ce qui est là. Garder femme, garder garçon. Yo pour l'ensemble. Parce que c'est ça, pas une femme qui a couru des garçons, pas une couru des malades, et ensemble que la balance. On y m'a dit 10. 10 départements qui a marché.
parce que nous avons représentant tout département pays à la matière. Ça travaille. Avez-vous des fonds pour que vous votiez le référendum? Parce que si vous n'avez pas voté le référendum, la constitution passée, nous mettons à jour la campagne. Par contre, nous avons besoin de la campagne, c'est un nom. Nous n'avons plus de droit. Mesdames qui n'ont pas l'impression de souffrir, mettez maintenant la parole de cette fois, nous y est. Accompagnez les amis. C'est mon écrit, le nous y est, c'est le jour de la souffrir. Pour que les dames, pour que les dames de la radio, pour que les dames de la télévision, pour que les dames de la responsabilité. Pour nous voter, le référendum le 27 juin. Et moi, souterrain, ma connaissance, si vous faites consultation, vous avez des mémoires à l'aïeux, vous pouvez les dames de votre travail. Si nous ne faisons pas, nous ne pas responsables. Ne faites pas moins. Reste à faire. Quand nous voulons dans le Sénat, quand nous avons gardé une vraie en Sénat, quand nous avons gardé une vraie en Sénat, je suis dans l'élection. Vous connaissez pas le travail, pas le ministère, 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 pas le constitution et l'élection, nous ne pouvons pas se faire des états nous en passons à gommer à ce que nous prenons la constitution. Trop souvent, les femmes sont confrontées au phénomène de violence électorale. Mesdames, vous faites électorale, je vais vous remercier si nous sommes parmi 9 membres. Donc on n'est pas déjà. Je vais vous remercier. Donc mettez en dans constitution de la loi électorale à bas fou. Pour que là nous fassions violence, pour nous pour le mettre au point par côté pour au moins 5 ans. Parce que nous là, pour nous capables de travailler. Et une société qui est majorité exclue par sa démocratie. Je vous salue. Je vous remercie d'être venu. Et bon travail. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.